Et on a vu que bah par exemple ça a donné ce crabe au cou. Attention, on a un gros fight au niveau de la top lane. Ça va aller au solo kill peut-être ici, Noah. On va essayer le solo kill de Ragnar dans ce match avec l'Ignite, avec la Sejuani. Il y a la TP d'Adon, peut-être un peu tardive, un fight qui devrait exploser ici. Dos le flash in, il va se faire one shot sur sa reine attaque. Que s'est-il passé ici? Ça peut turn directement les BDS qui arrivent littéralement à gagner en 4 contre 5 ce fight. On a ici Shio caché dans le buisson sur une ping, peut-être prêt à prendre un fight. Ça y est, c'est parti. On a Ricker qui arrive sur le côté, l'ultimate de Yumi qui fait un gros travail dans le couloir. Mais c'est derrière Ragnar qui se fait attraper finalement avec sa Sejuani. Le stun de Adon, le burst de l'Azeri, c'est un premier qui met l'ulti Renata et pixel perfect. Ça ne suffira pas, il semblerait flash in de Ricker exactement. Ça tombe, ça deux tombe. Kills pour les BDS, ça tombe. Les BDS s'imposent complètement dans cette game. Le break est fait, attention le charme sur Adam, mais c'est bon, on n'arrivera pas à le terminer. On gagne un peu de temps, mais il va manquer un ulti peut-être précieux. Est-ce qu'on arrive à trouver quelque chose? Ragnar qui ne trouvera pas son ulti, en tout cas un ulti Yumi. On va réussir à avoir Ragnar, Ragnar devrait tomber. On n'a peut-être pas le DPS, la méga de Adam, le méga Gnar. Il a très bonne ulti, peut-être de Dos, est-ce que c'est le moment? Mais non, Ricker a réussi à tout temporiser. Et Shio par-dessus avec son cyclone. Aïe aïe aïe, c'est très délicat, les LDLC ne peuvent rien faire. Le stat check est totalement en faveur des BDS. Le laser de l'Azeri qui va toucher Ya qui ne pourra rien faire. On ne peut rien lui faire à Crony. Cleanse plus creuset et l'arrivée de Shio avec le cyclone. C'est coupé bien sûr avec un ulti Yumi. Et tu l'as dit, le stat check, il n'y a absolument rien à faire pour LDLC. Bien trop derrière en termes de stuff et en termes de gold. Est-ce qu'on peut finir là-dessus? Oui, je pense. On a pris la Sivir, le personnage le plus important de l'équipe LDLC. Et c'est une quasi perfect game. Alors, si on compte uniquement les kills, mais c'est une domination extrêmement convaincante de BDS. Ils ont eu ce héros de la faille, les LDLCOL. Ce qui met un peu fin d'ailleurs à la série énorme d'objectifs neutres là du côté des BDS parce qu'ils avaient tout. Très bon bait de Adam. Première game. Ouais, et Ragnar, ah, il peut rien faire là. Ragnar, il est en train de se faire tabasser. Ricker également est présent. On va accélérer. Attention, Yike en difficulté désormais. On utilise la propre recette là contre l'autre. Échange de place, mais ça va en faveur des BDS Academy. BDS Academy toujours intraitable sur le jeu dragon. Et là, Adam, qui est un peu seul, qui va se faire. Bah là je vois pas trop ce qu'il peut faire. Il y a pas de méga dans. Barzilian. Un enchanteur Zilean apparaît. Un Zilean, tout simplement. J'avais pas vu que le Zilean de Ardot était en train d'arriver. Ouh, et on va devoir reculer. Oh, attention, la dalle qui... Oh, Eka la Exaki, quand le lâchage d'aggro de tour, elle était parfait. Shio qui vient conteste. Je sais pas pour qui c'est. Ça doit être pour BDS, j'imagine. Shio l'a vu. Ricker. Oh, Ricker, peut-être. Peut-être le mauvais TP pour Ricker. Non, je dis ça, mais il y a un Zilean. Mais il y a un Zilean. C'est vrai que quand tu penses qu'il est condamné, il y a Zilean, Ricker qui devrait tout de même tomber. C'est une interruption en faveur de Exakit, la DLSOL qui peuvent peut-être se mettre à y croire avec ce kill. Un shutdown qui a énormément de valeur. Oh, la game qui change de bord ici. Shutdown, plus qu'il a récupéré. Dos qui a envie d'attraper son vis-à-vis. Il le fait. Est-ce qu'on a le follow-up nécessaire? Non, ce sera un flash out pour Erdot. Je pense qu'on a vraiment pas envie de laisser une âme des nuages à Zeri. Oh, attention, ça turn directement l'ulti Zilean qui fait encore beaucoup de bien sur Shio. Attention, il meurt pas. De le tuer, il demeure, il mourra, il déclenchera l'ulti Zilean. Et c'est un shutdown qui va sur Ricker maintenant. On re-engage avec les ricochets, ça fait très mal, mais tout le monde est loin. Fait Ricker à 50 HP, Exaki qui va le sniper et qui turn avec sa Sivir, il peut sans doute clean up le fight. Chronique, c'est un buffet à volonté, Chronique la kick. Chronique est au contact et Chronique qui n'a pas les moyens de s'en tirer. Le triple kill, tu l'as dit, pour Exaki qui se régale dans ce match. Et qu'à l'accélération, on arrive au contact sur Adon. Eka qui crucifie Adon et Erdot sur ce play. Quoique Adon, il y avait un jump. 3000 points de vie, Exakit free DPS sur Shio. On prend les kills, non? Il y aura un ulti Zilean une fois de plus. Mais c'est une pression appliquée. Oui, mais en 2v3 ici avec du back. Maintenant, il n'y a plus ulti. Et Shio est condamné désormais. Attention, Dos qui danse également dans le teamfight. Chronique qui déclenche son ultimate. Et maintenant, c'est une bataille d'AD carry. Mais Exakik a beaucoup plus de puissance de feu, je pense. Exakik qui enchaîne. Ricker qui gagne un temps absolument fou. Adam peut-être pour un passage en méga Gnar et pour un ultimate. Il est cancel par Agner, mais c'était pas suffisant. Et Exak continue de bombarder. Exak contre Chronique. Exak contre Chronique. L'accélération de Chronique qui n'est pas loin de faire une brochette ici sur son rayon laser. Ragnar va pouvoir reculer. On est là tout avant le dragon quand même. Un Shio pourrait se faire one shot. Et regardez la vaille qui est partie dans la backline directement avec Aika qui follow up un Chrony qui ne peut pas bouger. Super focus des LDLCOL. Aika qui débarque de nulle part et les LDLC qui vaporisent le team fight. BDS Academy n'a pas eu le temps de jouer. C'est un baron à short pour les LDLC. Zakik qui évite
cette double bombe avec son spell shield. Et Ericker qui se fait attraper par cette vaille. Est-ce que le follow-up est suffisant? Bien sûr, c'est le combo. Talia vaille, le fameux. Yak n'a pas dit son dernier mot. Il enchaîne directement derrière sur Sheo. Qui est pas loin de se faire attraper. Il a combien de CDR? Oh, il s'est fait tamponner, Crony. Heureusement, il vient d'utiliser l'atme. Il va être attendu à la sortie. C'est... ouais, c'était un président là. Il avait sa garde officielle. Et le baron logiquement pris par l'aile d'elfe. Il veut y aller. On a l'ultimate d'Aika sur le côté. Et l'Aika est excellente sur le côté. Il temporise pour sa team. Il a un GA et derrière on va pile Exaki qui va tout simplement tuer Ricker. La seule menace adverse qui va tomber, quoique Ricker a réussi à tuer Exaki avec son Rabadon. Et là on est parti. Ceci, il n'y a plus de super creep au niveau de la mid lane. Mais bon, ce destin devrait suffire. Avec le surnom, les BDS qui finissent par craquer face au LDLC. Et victoire des LDLCOL qui relance la grande finale un partout. Mesdames et messieurs, nous avons une finale, nous avons un best of 5. Il a pris qu'un seul coup de tour, heureusement. Il vient de passer son niveau 6, Serdot, c'est peut-être un petit peu tard. Maintenant, on a le cataclysme de Sheo, mais les renforts sont bientôt là. Il a encore son flash, exactement. Oh, il pourrait l'utiliser. Et il va l'utiliser maintenant avec un très bon outil de Yak. On prend le first blood, le décalage de Eka. La voilà, push stick qui va aller toucher Ricker. Attention, la TP est tellement lent. Et le flash hit de Eka. On n'a pas la position, on n'a pas le méga, on n'est pas dans de bonnes conditions. Mais mort, Ragnar de Bozicon, quoi que l'intervention de Yak avec un super multi. Derrière, Sheo qui arrive à survivre. Il vient mettre énormément de DPS, il est soutenu par sa Sivir, Adam tombera finalement avec son Mundo. Mais le DPS de Sivir a l'air de se suffire à lui-même avec le Dominique qui est là maintenant. Ragnar qui trouve un ulti super. Boum, la sismique, les contrôles de Eka pendant dans la mêlée Chrony. Et sous le Yumi, cette ulti Yumi. Et oui, exactly. Il a tombé la bot lane. Il y avait deux joueurs sur cette action, on les a même pas vus tellement ils étaient stacked. Il y avait deux joueurs. Les rebonds, les nouveaux rebonds. 20 secondes avant les carries, ça devrait être une prise de game par LDLC. Et on va ouvrir les balles de match, plus rien ne peut se dresser contre eux et on fera exploser le Nexus, littéralement. Oh oh, la belle opportunité, c'est très bon choix, mais ça peut peut-être side play pour Crony. La déportation défensive, Crony, le flash out. Quoi ? Flash out, il tente de gagner le plus de temps possible. L'arrivée de Adam, le stun, le flash out du côté de Exact. Ricker est là également. C'est un play important pour les BDS Academy. Il faut absolument porter des joueurs de LDLCOL sous peine de passer vraiment derrière. Et Yaki qui va tomber également. C'est un double kill en faveur du Gnar de Adam. Une téléportation absolument décisive pour le top laner français. Chio, honnêtement, qui maximise son pic en early là. Le flash out d'Erdot, on se retrouve enfermé dans le pit pour la Lulu. Va-t-elle être condamnée? Sheo qui abandonne son support. Mais du coup, le polymorphe sur Yak est excellent. Yak va pouvoir reculer. Et pendant ce temps, Adam est parti chasser AK. Yak qui donne tout ce qu'il a, mais Sheo prendra le kill. Ce héros de la faille va connecter. Indubitablement, la tourelle devrait tomber aussi. Le enchasse. Chronique, on passe à l'offensive. Oh, mais quel impact sur cet angle Ragnar. Et Ragnar qui trouve le flanc. Les BDS Academy qui craquent. C'est énorme ce qui est en train de se passer là. Les LDLCOL qui font le break sans doute dans cette game 4. Adam qui Ragnar. Mais ce n'est pas suffisant face à cette Yumi qui vole de champion en champion. Il y a qui peut aller récupérer un cristal. C'est le break twist là quand même. À décrocher et le pick jungle qui va vraiment devenir très problématique maintenant. Ouais. Oh la vache, ça c'est pas le fetch tech qu'on veut faire contre une Belvette. C'est ridicule. Yike. Oh non, il a loupé son dash. Il n'a pas ramassé le cristal. Bah ouais, Ragnar, il n'y a pas de jungler. Chrony. C'est possible, on peut réaliser l'exploit peut-être. Ragnar se fait découper. Academy, c'est possible. Attention, le baron de Kior qui va être récupéré. Les BDS Academy qui reviennent potentiellement des enfers. Et le dragon, qu'est-ce qu'on fait de ce dragon, Chips? Voilà, ça pique très très fort. On veut engage, est-ce que c'est vraiment le bon call? C'est Sheo qui est pris pour cible. Sheo qui est en train de se faire massacrer! Derrière Adam, l'ultimate de Adam, il faut Chrony. Il faut Chrony brûler. Chrony qui bombarde, qui est en train de mettre de véritables patates à ses adversaires. Ils ont encore le buff baron, ils sont 4 joueurs vivants, 3 morts chez LDLCOL. Est-ce l'égalisation, Twix? Oh, Ricker. Oh, est-ce que c'est un fetch qui va coûter? What? Yai se fait découper. Et maintenant, c'est un chase orchestré par les BDS. Attention, Exakik. Oh. Qui rentre dans la mêlée. Mon dieu, les dégâts de Sivir. Les dégâts de Sivir également. Attention, Chrony qui rentre dans la mêlée également. Le GA de Adam qui vient de prendre Chrony.
Chrony qui prend sa responsabilité, Chrony en frontline, Chrony les dégâts. Attention, les touches touché, Mélomical directement, Chrony qui se retourne et qui met deux gigantesques claques au LDL COL. Adam, il a pas de GA, mais il est tout de même tanky. Chéo a cette stopwatch de son côté, il a pas peur de s'avancer. Dernier. Superbe. Oh, il est magnifique. Chrony, mon dieu, Eka qui prend d'énormes dégâts. Exaki qui est enfermé au bout. Cette Sylvire qui repasse à l'attaque. Adam, il se retourne ici, l'ultimatum seulement commencé. Maintenant, c'est Chrony qui a fait le travail. Chrony qui met d'énormes dégâts. Chéo s'est fait exploser avant de pouvoir stopwatch, il me semble. Oh, mur de la tisseuse, il est vraiment Chéo, pas mal. Chéo contact, le kick, ça va être récupéré par Chéo. Et là, c'est parti. Exactement. La Sylvire s'est faite exploser. La Soul est en faveur des BDS Academy. Comment pour Noël. Il ne reste plus qu'un véritable, un authentique exploit pour peut-être espérer. Et mais je ne pense pas qu'il y en aura moins que Eka, Monsieur MVP de ce Summer Speed de la saison régulière. Mais Eka, même MK, ses limites. Et Adam qui, tout simplement, va terminer le match dans la base. Des LDLC OL de partout, mesdames et messieurs. Nous allons en game 5. Non. Pas encore. On a réussi à respawn. Mais Krovny qui va terminer le travail de l'autre côté. On a peut-être juste retardé l'inévitable. Mais ce n'est pas Adam qui va terminer cette game en solo. Adam qui va. Oh, attention, c'est le GA. Adam qui va terminer cette game. Il y a des renforts. Les BDS Academy ne vont pas lâcher leur top laner. Il va TP. Voyons voir les ricochets. Langage, peut-être Chrony. Il a un GA, Chrony. Exactly. Attention, Exaki tout de même. Il se distribue. Mal. Attention, Chrony qui va tomber. Il est tombé. C'est peut-être la game. Les LDLCOL sont champions. Ils sont champions du Summer Split de LFL. L'absence de Flash aura tout changé, Twix. Ricochetto. Une année absolument fabuleuse, 17-1, la plus grande saison régulière jamais enregistrée, suivie du doute dans ces playoffs. Mais c'est un retour en triomphe pour l'équipe la plus titrée de France.